Bonjour à tous et toutes, c'est Vitas. Aujourd'hui, on se trouve sur Pokémon Écarlate et Violet pour la capture de Haut-Garpon. Honnêtement, je fais ça tout de suite après avoir fait Ursa King. Ensuite, une fois que Haut-Garpon s'est fait, je vais m'attaquer au reste du Pokédex, puisqu'il m'en reste quelques-uns à capturer de nuit. Et après, ça sera les autres légendaires. Mais c'est parti. Normalement, ça devrait être un peu plus fun, un peu plus long et un petit peu plus compliqué que pour Ursa King. Ok, on commence avec le masque feu. Le truc, c'est que pour Haut-Garpon, le défi, c'est plus le combat que la capture en lui-même. Un peu comme Ursa King, hein, la capture était assurée à 100%. Ok. Donc, si j'ai fait ça, on va faire l'ombre. Oh, one shot. Ah, presque coup critique, ok bon. Le prochain, c'est peut-être pas forcément garanti que je le tue. Alors on va déjà attendre champ herbu. Ok. Ah non, ah c'est automatique, ok. Bon, je voulais faire en sorte d'être un petit peu égal dans le combat, au niveau du timing. Ok, ça c'est fait. Bon, finalement, c'est pas très compliqué. Là, pour le coup, on va mettre. On va faire un coup de combat. Oh putain! Ah, dommage, hein! À peu de choses près, c'était un double one-shot. Champ herbu, ok. Là, Flamigator, il risque de prendre peut-être un petit peu cher. Hein, quand même. Bah, vous savez quoi, pour ce qu'il y aura, on va faire une lame d'air. On va faire une balle ombre. Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas efficace de ouf. Hein. On sait pas vraiment trop. trop le truc. Massulian, ça a pris le type haut, j'ai l'impression. Là, c'est quoi? Type roche, ok. On va essayer morsure. Ouais, Flamigador, c'est peut-être pas le plus adapté pour Haut-Garpon. En vrai, s'il meurt, il meurt, tant pis. Là, le type roche, honnêtement, bah ouais, à quoi tape. Ah, il est toujours en vie. Ah, putain, hé, à peu de choses près. Franchement. C'était un triple one shot, hein, mais à pas grand chose. Ok. Bon, de l'autre côté, c'est un peu plus lent parce que. Il n'est pas forcément taillé pour ce combat. Il est mort. Ok. Franchement, avec Palmaval, à peu de choses près, c'était un triple. Hein. Un triple one shot. Ah d'ailleurs il y a sa fourrure qui change de couleur. Ok. Bah là on va faire le vilain d'air. Pareil. Là le masque plante, ça sera un vilain d'air. En fait il est pas du tout compliqué. Hein. Parce qu'honnêtement, j'ai fait écarlaté violet, j'ai joué toute l'aventure uniquement avec mes trois starters. Et là, encore une fois, hein, c'est. J'ai mis avec moi d'autres Pokémon pour assurer les arrières. Ah, peut-être qu'il peut mourir. Ouais, bon. Donc là, on m'a suivi une petite lampe. Bon, c'est pas grave, hein, on va appeler Flamigator. Est-ce que Flamigator va réussir à le one-shot? Oh, c'est pas possible, même de l'autre côté. Vas-y, surchauffe. On m'a suivi une petite plante, ça va pas faire grand-chose.
que je peux le one-shot? Oui. Bon. On était vraiment pas loin d'un one-shot pur et dur. Hein. Allez-y, écoutacle. Ok, donc là, je vais stopper Violette pour l'instant. On va continuer l'écarlate. Sauf que tu vois, sur écarlate, Flamegator est déjà mort. Ça m'étonnerait que Palmaval survive à un Massulian. Bon, déjà, on va voir ce que ça va donner. Hein. Ok. Vous savez quoi? Pour la fin du match. On va mettre ça comme ça. Voilà. Vas-y. Ouais, bah, tu me verras qui survive. Ok. Ouais, ça risque d'être un peu plus compliqué. Hein, Bon, après, j'ai mis des Pokémon avec moi pour gérer le truc, mais je suis pas sûr que j'en aurais besoin. J'aurais bien géré le bon Pokémon dès le début. Vas-y, demi-tour, hein, si c'est super efficace. Et bah, one shot. Oh là 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 là. Voilà, on remet ça comme ça. Bon, bah, niveau difficulté, les trois starters font taf encore une fois. Hein. Allez, c'est parti! Capture! Et voilà! Bon, bah, finalement, peu de difficultés là-dedans. Donc là, en théorie, j'ai fini le scénario, ou du moins, il me reste encore une quête du scénario à faire. J'espère que le mode nuit va enfin être débloqué. Parce que bon, les quelques Pokémon qui me manquent sont trouvables uniquement à la nuit. Quoi, on va le combattre encore une fois? Merci mec. Sept minutes, ok. Alors. Ok. Alors j'attends juste que je puisse reprendre le contrôle du perso. Et bah ce sera tout. Le lendemain. Bah carrément. Ok. Au parc, ok. Ok, donc au garçon. Ah oui, il est là. Lui, du coup, il va aller ici. Parce que là, il y a les trois légendaires de plus tard. Et là. Ok. Il est ici. Regardons à quoi il ressemble. Au garçon, machin, niveau 70, et femelle, terre à plante, ok. Massulien balayage souplesse champ herbu. Il a 3 IV à 31. Pareil. Ah bah c'est. C'est exactement le même en fait, j'ai l'impression. Solo, solo, ok. Ouais, d'accord. Bon. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est tout pour la capture de Ogerpon. Les prochains, ce sera les trois dont... Amagel... Enfin, bon, bref, je sais plus comment il s'appelle. Le trio méchant. Petit sauvegarde, ok, nickel.
Donc bah c'est tout pour cette vidéo sur la capture de Haut Garpon. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.